L'état d'esprit du Swimrun Lormanoudou, c'est un état d'esprit où on veut prendre du plaisir, on veut découvrir la course. Donc il y a vraiment des novices en fait qui veulent juste essayer. Et ça, c'est vraiment un plaisir parce que ça peut devenir une vocation pour ces coureurs. On est là pour prendre du plaisir. On est entraîné comme jamais. On a tout démonté. On a eu deux semaines d'entraînement, on est parti. C'est un événement organisé par Christelle et Lormanoudou. Je me devais absolument d'y participer. Même enceinte, ça va me faire un petit peu de sport, donc c'est pas mal. C'est une course en trois formats possibles. Le XS, le S et le M. Le XS, c'est 1000 mètres de nage au total et 4,5 km de course. Le S, c'est 1500 mètres de nage au total et 7 km de course. Et le M, c'est 2500 mètres de nage au total et 11 km de course. Quelques petits conseils avant la course? Faut essayer de pas se noyer, de profiter. Ouais. Hein. J'aime pas nager. Non mais le bord, il y en a loin. Plein qui aiment pas nager. Donc bon, je pensais qu'on allait faire la moitié, moitié course, moitié truc, mais là. Ah bah c'est alors. Le conseil pour nager? D'abord des chaussures hyper légères et qui permettent d'évacuer rapidement l'eau. Bah quand tu nages, il faut pas regarder comme ça, faut que tu sortes la tête pour voir un peu où tu vas. Ouais. Pas de la nage piscine quoi. Ah, donc la nage mer c'est je regarde. Devant. Ouais, faut regarder un peu devant. Des plaquettes, parce que finalement, en swimrun, on nage qu'avec les bras, donc les plaquettes permettent d'avancer plus vite. Ah, mal mis cette espèce de truc là. Par contre, faut pas le garder là. Ah bon? Faut le mettre entre les jambes. Le pull boy, pour éviter que les jambes s'enfoncent trop à cause des chaussures. Ça sert, les derniers conseils. Parce que moi, j'aurais été la seule à nager avec ça au bras pour ne pas noyer. Nous, on a l'intention de passer par les Bermudes, voilà. Puis le Cap d'Orne, bah, oui, parce que c'est la moindre des choses. On le fait à l'envers. Et on arrivera sûrement vers la fin, du coup, parce que ça va nous retarder. Voilà. Et le triangle des Bermudes, on pourra se faire. Voilà, félicitations. Allons. Déjà bonjour à tous et merci d'être présents aussi nombreux. Et bon courage à tous, ne courez pas trop vite, ne me doublez pas s'il vous plaît et bonne course. Mais heureusement que les gens nous encouragent, ça aide vachement de sortir. Merci! Du coup, on peut pas se dérober, on peut pas se cacher. Ah, ça, on se découvre encore des difficultés. C'est 50 mètres le plus long.